Hein. Parlant franco, c'est une langue que tout le monde devrait connaître. La vérité n'affranchit que celui qui veut la connaître. Je vais être poétique, c'est mon psaume, aucun délit à commettre. Bien sûr, on ne fera rien sans l'instruction du maître. Je me présente Nathan Pekepizi pour la famille. C'est mon psaume 1, du moins c'est le tout premier chapitre. Je faisais du rap bien avant l'année 2018. Et maintenant, je fais du rap mais mieux, je prêche Christ. Le diable a cru me vaincre mais ce n'était que la première mi-temps. Il a été surpris en deuxième Liverpool face au Milan. Encore une fois, on lui mettra des rematadas. Ouais, je vous l'annonce, je me prépare pour le prochain Milan. Des fois on se crée des plans mais le Seigneur a d'autres plans. La preuve que ce que l'on pense n'est forcément pas ce que lui pense. J'ai voulu faire du rap pour être une star. Avant, je fais du rap pour faire connaître la star. Maintenant, je porte les marques de Christ sur moi que j'en deviens une expo. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche, je suis un ex-pauvre. Donc peu importe les défis auxquels je m'expose. Lundi Melanzamba bat des fils, lui qui les explose. Moi je suis devenu une entreprise dont le Christ est le CEO. Rappeur et serviteur, il confond même mes propres idéaux. Car sa folie à lui, elle est plus sage que les hommes. Et ses pensées à lui sont différentes de celles des hommes. Accepter Christ, c'est pas seulement croire en son existence. Tu crois en l'existence de Dieu, bah le diable le croit aussi. Et il en tremble même grave, lui et tous ses disciples. Il conçoit très mal quand nous habite le Christ. Dans la vie, il y a ceux qui commencent les choses et ceux qui suivent le mouvement. Merci Fanny pour ce que t'as fait, même si des fois c'était gênant. Je me rappelle de ces fois où j'allais à l'église pour te plaire. Et des autres fois où j'y allais juste pour plaire à ma mère. Merci Berger Johnny pour vos conseils et votre traitement. Merci Berger Béni car vous avez été l'instrument que le Seigneur a utilisé pour m'attirer vers lui. C'est pour ça qu'apôtre, pour moi, vous resterez l'évangéliste. Merci apôtre Hervé, vous m'avez poussé à la connaissance. Merci prophète Gains, vous m'avez ajouté de la connaissance. Merci prophète Olivier pour votre soutien et votre confiance. Sans dire merci à Dieu, ce premier psaume n'aurait pas de sens. Je finirai sûrement pas ce son sans dire merci à la Chypre, à toutes ces personnes merveilleuses que j'ai rencontrées par ici. Je vous porte dans mon cœur et c'est loin d'être des paroles en l'air. Je n'oublie pas la maison mère, Family Worship Center. Et grand merci à l'apôtre Loudron pour tous vos conseils. Vous m'avez fait comprendre que je pouvais utiliser tout le potentiel que le Seigneur a déposé en moi depuis le ciel. Et je suis sûr qu'il a un œil sur vous depuis son ciel. Et toi qui écoutes ces mots, t'as peut-être entendu parler de Christ. J'aimerais te dire qu'il existe et qu'il est loin d'être une légende. Crois en lui et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et si tu pries pour eux aussi, toi et tous tes amis. Je pense bien que mon premier psaume se termine par ici. Et peut-être qu'il marque le saut d'une très longue série. J'avoue que le chemin est long et qu'il faudra tenir. Une seule phrase que j'ai à vous dire, c'est que mon Dieu vous bénisse.